Après la clôture des travaux de la communauté des États sahélo-sahariens, CENSAD, tenue à Niamey au Niger, les ministres de la Jeunesse et les secrétaires exécutifs de cette organisation ont investi les palais présidentiels du Niger pour échanger avec le président Mohamed Bazoum. Autour de la table, la délégation a présenté le document examiné et validé du programme Jeunesse de la CENSAD qui envisage lutter contre l'oisiveté et l'inertie qui pousse les jeunes à s'offrir au chemin qui mène à la dérive dans l'espace Sahel. Pour l'exécution de ce programme jeunesse de la CENSAD, la délégation a recueilli les conseils et orientations du président Mohamed Bazoum. Ce programme a donc été validé. Il présente deux composantes importantes. La première composante concerne l'éducation à la citoyenneté et la deuxième, c'est la gestion des terres durables. La réunion de Niamey est pour les secrétaires exécutifs et les ministres de la jeunesse des pays membres de la CENSAD un nouveau départ pour prendre en compte les préoccupations de la jeunesse dans le Sahel. Nous avons mis en place cette idée, ce programme, pour créer une véritable voie à notre jeunesse pour s'épanouir, pour se réaliser, pour avoir des emplois, pour avoir des revenus, pour être capable d'entreprendre et créer eux-mêmes des emplois. Et voilà, des ambitions en perspective qui tendent à changer l'environnement économique et social des jeunes dans l'espace CENSAD, très satisfaisante, selon la délégation.